la Coupe du Monde? Ouais, bien sûr. En face, on savait qu'on avait un très gros adversaire et on a su être là. On était costaud défensivement et après offensivement, on savait qu'on allait avoir les occasions et on les a marquées. Si vous nous racontez votre folle envolée sur le pénalty. Pardon ? Votre folle envolée sur le côté gauche, ouais, qui amène le pénalty, vous nous racontez tout ça ? Voilà, j'ai vu mon couloir, là où j'ai accéléré, et jusqu'au moment que je sens que quelqu'un me touche, et je pense qu'il y a bien la team. Vous n'êtes pas du genre à vous mettre trop de pression, vous, parce qu'on joue gros sur un match comme ça, vous avez plutôt déroulé. Ouais, non, franchement, la pression, c'est pas quelque chose qui est avec moi. Je suis un joueur très tranquille, je suis tranquille en dehors et sur le terrain, alors la pression, pour moi, elle est pas encore là. C'était quoi les sensations là au moment de jouer ce match à quelques semaines de la Coupe du Monde pour vous? Tranquille, je voulais montrer au coach que je suis là, que je suis présent et que s'il a besoin de moi, qu'il peut compter sans problème sur moi.